Salut vous, je viens pour un truc pas très marrant, mais je dois m'excuser en fait. Parce qu'il y en a qui l'ont vu hier, j'ai posté une vidéo, puis je l'ai mise en privé. Dedans, je vous expliquais comment j'avais obtenu ces cheveux bleus avec une nouvelle technique. Et c'était un sorte de crash test hein, en direct. La couleur est magnifique, mais si c'est pour s'abîmer la santé, c'est peut-être pas la peine quoi. En fait, j'ai utilisé des pigments purs que l'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit de regarder les ingrédients. Pourtant, mes parents m'ont toujours appris à regarder les compositions, que ce soit des aliments ou des produits cosmétiques. Donc voilà. Comme quoi, hein. Merci beaucoup à Ella de m'avoir donné ces informations. Parce que tu as fait ça avec énormément de gentillesse, de respect et... Et waouh quoi, enfin c'est tellement rare sur YouTube aujourd'hui que si ça doit être félicité quoi. Donc d'avoir fait cette coloration une fois, c'est pas très grave. C'est juste que si je commençais à faire ça régulièrement, et si vous commencez à faire ça régulièrement, ça peut être toxique pour le corps. De toute façon, je vous remets un lien vers le screenshot de son commentaire. Donc encore une fois, je tiens à m'excuser. On ne m'y reprendra plus à faire des expériences comme ça. Enfin, sur moi, c'est pas grave, voilà. Moi, je suis conne, je fais mes trucs, pourquoi pas. Mais vous diffusez ces informations et vous incitez à faire la même chose sans avoir fait de recherche avant et être 100% certaine que c'est sans risque. Non quoi. Comme à chaque fois où j'essaye des choses un peu limites, j'ai quand même attendu plusieurs jours d'avoir ça sur mes propres cheveux pour être sûr que ça fasse pas de réaction, etc. Donc personnellement je n'ai rien eu, mais comme elle m'a expliqué, c'est pas sur l'instant, c'est pas quelque chose de toxique tout de suite, mais c'est dans le temps en fait. On commence à être vraiment beaucoup sur cette chaîne d'ailleurs, merci beaucoup à tout le monde. Même avec 100 abonnés, on doit faire attention à ce qu'on poste et à pas diffuser des choses dangereuses, mais c'est vrai que là j'ai tellement d'impact que ben ma vidéo elle était sortie depuis seulement 2-3 heures et il y a déjà 13 000 vues dessus, donc j'espère que toutes les personnes qui l'ont regardée vont regarder cette vidéo et ne vont pas aller acheter ces putains de pigments. Je dis pas que j'ai tellement d'influence que les 13 000 personnes qui ont vu cette vidéo ont couru acheter des pigments et vont se mettre ça sur la tête sans réfléchir, mais c'est vrai que les plus jeunes voilà, ils vont partir dans des expériences qui peuvent être dangereuses, donc c'est vraiment pas, faut pas jouer avec ça quoi. C'est quelque chose qui me passionne de tester de nouvelles choses un peu étranges. Mais là clairement on a dépassé les bornes, donc voilà. J'ai immédiatement retiré la vidéo et je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour m'excuser et pour vous informer qu'il ne faut pas faire ça à la maison les gens. À la base il y a une bonne idée derrière, c'est-à-dire d'acheter directement des pigments pour les mélanger à de l'après-shampoing, pour se faire des colorations, pour que ça soit plus économique et pouvoir faire des couleurs plus personnalisées. Mais il faut surtout pas utiliser des produits qui ne sont pas destinés à être utilisés sur le corps humain quoi. Il existe des colorants cosmétiques, il existe des colorants alimentaires. Si je dois garder mon idée et refaire ma vidéo, ce sera avec des produits comme ça. Je pense que pour du bleu ça va être un peu compliqué, surtout de cette intensité là. Mais bon, je préfère être en bonne santé et ne pas avoir de bleu dans les cheveux plutôt que l'inverse. Je me suis crue très maligne avec mon astuce et j'étais étonnée que personne d'autre y ait pensé avant, mais c'est qu'il y avait une bonne raison en fait. Et bien sur ce, je vais vous laisser ici. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve sûrement demain avec ma réponse à la FAQ spéciale tatou. En attendant, cœur cœur sur vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Salut !